Comment penser et investir comme les riches? C'est une question qui m'a été posée sur Instagram par un jeune investisseur débutant qui se disait, eh bien Manuel, je ne comprends pas pourquoi certains entrepreneurs ont énormément de succès, un gros parc immobilier qui se sont développés très vite, et pourquoi d'autres, eh bien, végètent pendant des années. Et donc j'ai décidé dans cette vidéo de t'expliquer la différence entre la façon de penser d'un côté des riches et l'autre façon de penser, celle de la masse qui malheureusement n'arrivera pas, eh bien, à développer un patrimoine aussi important malgré le fait qu'on ait tous des journées de 24 heures. Que vous soyez Bill Gates, Warren Buffett ou que vous soyez Monsieur X, Monsieur Dupont, eh bien, on a tous le même nombre d'heures dans la journée. Alors, comment ça se fait que Warren Buffett ait pu développer une fortune colossale, même si il a récemment perdu beaucoup d'argent? Il lui en reste, je te rassure, énormément. Et comment ça se fait que, eh bien, d'autres personnes n'arrivent pas du tout à développer un patrimoine intéressant tout au long de leur vie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment pensent les riches et comment agissent les riches. Je te donne rendez-vous et c'est parti. Salut à toi, très cher entrepreneur immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier multimillionnaire puisque j'ai pu développer en quelques années un patrimoine immobilier très important composé d'une soixantaine de lots répartis entre Paris, la région parisienne et Lyon. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, ce que tu vois juste derrière moi, une société d'une centaine de collaborateurs qui accompagnent, eh bien, des investisseurs immobiliers dans leurs projets clés en main. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu mandates notre société, eh bien, on va effectuer pour toi toutes les démarches de la recherche d'un bien rentable jusqu'à sa livraison en passant par le suivi des travaux, l'optimisation du plan, tous les calculs pour vérifier que oui, le bien est rentable parce qu'il ne suffit pas d'acheter pas cher pour avoir un investissement locatif rentable. On va s'appuyer sur une équipe d'une centaine de collaborateurs répartis sur une quinzaine de zones géographiques en France. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier, si tu souhaites investir à court, moyen ou long terme, je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Ça permettra de voir ce qu'on peut faire ensemble, de voir également, de découvrir un petit peu plus en détail notre service et de voir si oui ou non, eh bien, ça peut t'apporter de la valeur en tant qu'investisseur et si ça peut t'intéresser et si on peut, eh bien, travailler ensemble au développement de ton patrimoine. Dans cette vidéo, je vais donc te parler de la façon de penser, de la façon d'agir pour devenir riche. Alors je sais, on est en France, le mot riche, je sais que c'est un gros mot. Je sais qu'il est lourd de sens puisqu'on est dans un pays où malheureusement, eh bien, on montre un petit peu du doigt, on a tendance à ne pas accepter le succès, à être un pays où parfois certains sont jaloux du succès ou du succès financier de certains entrepreneurs, de certains investisseurs. Mais dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot parce qu'on dit souvent, pour pouvoir donner, pour pouvoir être généreux, pour pouvoir aider les autres, eh bien, il faut déjà avoir soi-même. Il est facile de dire « je veux partager, mais je veux partager l'argent des autres, ceux des riches, parce que moi, je n'ai pas été capable de développer mon patrimoine et donc bah, j'ai envie que les gens soient généreux, mais moi, je n'ai rien à donner malheureusement. » Donc ça, c'est malheureusement un sentiment assez français que beaucoup ont. Et dans cette vidéo, on va aller à contre-courant. On va aller à contre-courant parce que si tu regardes notre chaîne Investissement Locatif, c'est que tu as compris que pour protéger ses proches, pour préparer son futur, pour être généreux avec les autres, parce qu'on peut vraiment l'être, eh bien, il faut en amont avoir mis en place des systèmes, que ce soit avec l'immobilier, la bourse ou avec l'entrepreneuriat, de manière à pouvoir justement gagner de l'argent. Toujours l'idée de d'abord gagner de l'argent et ensuite partager l'argent qu'on a gagné. Et également, et c'est hyper important, éduquer les autres pour qu'eux aussi puissent créer leur système et développer également un patrimoine par eux-mêmes. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne et donc maintenant, on passe à la vidéo. Alors, le premier point que les riches utilisent au maximum, c'est l'accès à l'information. À l'époque, donc à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas un accès simple à l'information financière. Alors, on avait déjà l'école publique avec un système scolaire absolument génial, le système d'égalité des chances, mais l'éducation financière, c'est quelque chose que malheureusement, on n'étudie pas à l'école. Ce qui veut dire qu'à l'époque de nos grands-parents, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, eh bien, je peux te garantir qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les mécaniques financières, boursières, immobilières, parce que si vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, si vous n'étiez pas né, ce qu'on appelle avec une cuillère en or dans la bouche, eh bien, vous aviez très peu de chances finalement de découvrir les grandes mécaniques et de comprendre. Avoir accès à la bonne information, c'est ce qui fait toute la différence parce que, eh bien, on peut passer une vie entière à essayer des choses, à comprendre, à se tromper et on va acquérir cette expérience-là. Mais si quelqu'un qui a déjà trébuché, qui a déjà fait énormément d'erreurs, qui a déjà réussi dans un domaine en particulier, eh bien, t'explique toutes ces stratégies, eh bien, je peux te garantir que ça va être un fabuleux accélérateur. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner du temps et donc, eh bien, tu vas pouvoir développer bien plus rapidement un système qui t'enrichit.
On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet et notre génération pour ça est hyper chanceuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, tu es sur la chaîne Investissement Locatif, tu te formes, je t'apprends des choses et pourtant, eh bien, tu ne payes rien. Tu as un accès illimité à l'information. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut faire le tri, voir si la personne qui te donne cette information, bien sûr, a fait ce que tu as envie de faire toi. Mais en faisant le tri, tu peux déjà gratuitement bénéficier d'énormément d'informations pour te former sur l'éducation financière et pour faire les bons choix. Par exemple, pour la bourse, moi, ce n'est pas ma spécialité à la base. Eh bien, je lis régulièrement des choses, je suis des analyses économiques, je suis des analyses boursières et ça, eh bien, je le fais à la fois gratuitement et parfois, bien entendu, je vais aussi acheter des formations, m'abonner à des lettres, etc. de manière à pouvoir avoir encore plus. Mais déjà, rien que le socle gratuit disponible, tu peux, si tu le souhaites en partant de zéro, eh bien, progresser très rapidement. Donc, le premier point, c'est qu'il faut, et c'est hyper important, te former. Te former, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les riches vont en permanence lire tous les papiers. Ça veut dire qu'ils vont avoir quelques sources identifiées comme fiables, des choses qui leur ont peut-être déjà rapporté des résultats. Et à partir de là, ils vont capitaliser dessus, passer le moins de temps possible pour avoir le plus d'infos possible et à partir de là, implémenter. Alors le deuxième point de la façon de réfléchir des riches, c'est le côté rapidité d'exécution. En fait, dans cet aspect-là, il y a deux choses. Le premier, c'est de commencer tôt. Mais souvent, j'ai des questions et j'ai des gens qui me disent « Manuel, j'ai 45 ans, Manuel, j'ai 50 ans, Manuel, j'ai 60 ans. » Est-ce que pour moi, eh bien, c'est trop tard? Est-ce que je suis trop âgé pour me lancer dans l'investissement immobilier? Et donc, je tiens vraiment à tordre le cou à une idée reçue. Bien sûr, c'est mieux de démarrer à 20 ans que de démarrer à 60 ans. Mais néanmoins, il n'est jamais trop tard pour chercher à s'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour se lancer et il n'est jamais trop tard pour investir, que ce soit dans vous, en vous formant ou dans l'immobilier ou dans la bourse, etc. Simplement, il faut savoir utiliser eh bien, les atouts liés à votre situation. Parfois, eh bien, je me dis que si vous avez 50 ans, vous avez peut-être déjà plus de capital de départ. Donc oui, vous allez commencer plus tard, ça c'est un fait, mais peut-être que vous allez pouvoir commencer plus fort avec du capital de départ et donc transformer finalement votre âge en atout, votre âge et votre expérience en atout. Vous avez également beaucoup plus d'expérience de vie, ce qui fait qu'en fait, vous allez peut-être prendre de meilleures décisions et gagner du temps après. Par contre, si tu démarres et que tu me regardes et que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu démarres peut-être dans ta carrière professionnelle, eh bien, sache que ça reste quand même le meilleur moment, si je devais en donner un, pour démarrer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir capitaliser année après année. Et en matière d'immobilier, le temps, c'est une variable eh bien, qui est phénoménale puisque chaque année, tu t'enrichis et donc en enrichissement cumulé, on comprend bien que sur une longue période, eh bien, tu t'enrichiras beaucoup plus que sur une courte période. Mais ce facteur temps, il est également hyper important dans la capacité à implémenter. Moi, j'ai vu trop de personnes dans mon entourage qui achetaient des formations, qui se formaient et qui en connaissaient énormément en matière théorique, mais qui au final, eh bien, ne passaient pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une bonne excuse. C'est la crise, les prix sont trop chers, peut-être que ça va baisser demain, est-ce que c'est le moment, je ne trouve pas la bonne affaire, alors qu'ils cherchaient quelque chose d'introuvable. Donc forcément, quand on cherche l'introuvable, finalement, c'est une excuse mentale. On se dit, moi, je suis prêt à acheter à Paris, mais si je trouve quelque chose à 5 000 le mètre, alors que le marché est à 10 000, est-ce que réellement tu es réaliste? Est-ce que tu veux vraiment acheter? La réponse est non, parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu ne le trouveras pas. Donc, tu auras l'excuse de ton inaction parce que tu te diras, si je n'ai pas agi, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, hein, j'étais absolument prêt, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé le produit. Et quand je regarde avec la personne, je dis, bah, attends, tu as refusé un produit hyper intéressant parce que tu cherches une chimère, quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, donc il faut, une fois que tu penses avoir des bases, même si tu ne sais pas tout, il faut implémenter et agir. Et ça, je dois le dire, c'est vraiment ce que j'ai vu qui fait la différence entre mes amis entrepreneurs qui sont à la tête d'empire, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont entrepris en partant de zéro, et les gens qui ne bougent pas, qui ne passent pas à l'action, qui se disent tous les jours, mon boulot ne me plaît pas, il faut que j'investisse, waouh, mais pourquoi est-ce que lui, il a ça? Pourquoi toi, tu as pu développer un patrimoine aussi important, mais pour toi, c'est facile? Non. La grosse différence, c'est que moi, si on parle par exemple de mon cas, quand j'ai décidé de passer à l'action, quand j'ai eu le feu vert de la banque, parce que c'était ça moi qui me bloquait au tout départ, dès que j'ai eu le feu vert de la banque, je suis allé implémenter fortement puisque j'avais les connaissances que j'estimais nécessaires. Donc, j'ai implémenté sur un bien, ensuite sur deux biens, ensuite j'en ai acheté deux en même temps pour aller plus vite, ensuite trois en même temps, etc. etc. Et de fil en aiguille, en seulement 5 ans, eh bien, j'ai pu être à la tête d'un véritable empire immobilier, mais qui n'a pas été simple, qui a été coûteux en énergie, en temps, en charge mentale. Non, investir dans l'immobilier de manière massive, ce n'est pas simple. Oui, ça va générer des revenus passifs. Une fois que le système est en place, c'est fabuleux, mais la mise en place, elle est coûteuse. C'est de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je t'appelle en permanence entrepreneur de l'immobilier, parce que tu n'es pas
dans la logique où tu ne fais rien, tu es dans la logique où tu agis pour mettre en place ton système, un système qui est comme de l'entrepreneuriat puisque tu es vraiment en train de bâtir quelque chose de tes mains, de l'idée jusqu'à la mise en place de ton système qui va générer un flux financier et qui va te permettre de redémarrer, redémarrer, redémarrer. Donc, garde bien en tête, en un, il faut commencer relativement tôt par rapport à ta situation actuelle. Tu ne pourras bien sûr pas prendre une machine à remonter dans le temps, mais quel que soit ton âge, il faut que tu agisses rapidement. Et en deux, il faut que tu te mettes des contraintes de temps. Tu as assez d'informations? Alors, n'attends plus et agis rapidement pour mettre en place. Essaye d'évacuer toutes tes fausses excuses. Alors, c'est ce que moi, j'appelle la technique des petits pas. Concrètement, on commence par une petite action. Peut-être que tu n'es pas obligé tout de suite d'acheter un immeuble à 1 million d'euros. Même si tu veux bâtir un gros patrimoine immobilier, tu peux démarrer par un appartement, puis un deuxième, puis un troisième, puis hop, tu es à l'aise. Tu te sens, tu as la confiance, tu as compris que le système fonctionne. C'est hyper important aussi. Quand on investit dans quoi que ce soit, je te conseille toujours une chose, c'est commencer avec une phase de test, quelque chose de plus petit, valider le modèle, valider que ça fonctionne bien et ça va également te donner la confiance et te permettre de faire les réglages. Ensuite, tu accélères. Le troisième point, c'est de multiplier les sources de revenus. Tu le vois souvent dans des vidéos, des entrepreneurs qui te disent « j'ai X sources de revenus, j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 20 ». Personnellement, j'en ai également de nombreuses. Pourquoi ? Parce que j'ai créé des business, j'apporte de la valeur et les gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, apportent énormément de valeur aux clients. Et donc, ça génère des revenus. Mais pourquoi ? Parce que les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et donc, ils nous payent pour ça, pour leur trouver des opportunités, pour suivre et pour déléguer la totalité parce qu'on leur fait gagner de la valeur. D'un autre côté, j'ai également eh bien, des sources de revenus dans l'immobilier. Donc, j'ai combien de sources de revenus dans l'immobilier ? Bah, autant que de biens. Si une s'arrête parce que le local est inhabitable, parce que j'ai une fuite d'eau, etc., parce que le locataire s'en va, c'est pas grave. Il me reste les 59 autres. Et donc, en fait, j'éclate mon risque et je multiplie les sources de revenus. Pourquoi ? Parce qu'on dit souvent les petits ruisseaux font les grosses rivières. Donc, c'est comme si tu avais plein de petits ruisseaux qui nourrissaient eh bien, ma source de revenus qui arrive sur mon compte et arrivé au bout, 800 euros ou 400 euros, plus 500, plus 800, plus, etc. Arrivé au bout, on arrive eh bien, à beaucoup d'argent. Donc, mon conseil, ne te focalise pas sur une seule source de revenus. Essaye de te dire dans ma vie pro, comment je peux entreprendre, comment je peux développer des choses dans mon expertise en plus de mon boulot. Si par exemple, c'est mon souhait d'entreprendre, est-ce que je peux faire du freelancing? Est-ce que je peux faire des choses? Et à côté, dans l'immobilier, comment je peux mettre en place un premier bien, un deuxième, un troisième et multiplier mes sources de revenus? Parce qu'une fois que ton système est en place et qu'il rapporte, je peux te garantir que ça fait une énorme différence par rapport à la personne qui a uniquement un salaire et donc une seule source de revenus avec tout le risque que cela comporte et avec le fait que ça va être très compliqué de développer ton salaire et de le multiplier par 2, 3, 4, 5 alors que sur les sources de revenus, si tu les multiplies et que tu as un appart, deux apparts, cinq apparts, là c'est beaucoup plus simple. Alors le troisième point que je voulais voir avec toi et qu'utilisent énormément les riches, c'est l'optimisation des coûts. Optimiser les coûts, ça veut dire quoi ? Moi, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai lancé mon business au tout début, j'avais un ami qui s'appelle Victor, donc je te salue Victor si tu me regardes, qui avait un père entrepreneur, un mec incroyable qui, à nouveau, en achetant et en vendant du poisson, tout simplement en grossiste en poisson, eh bien, avait bâti une fortune. Et c'était une super histoire parce qu'à un moment, il avait tout perdu et il était arrivé à remonter de zéro un super business. Et donc, mon ami Victor, qui est né dans le 92, fils d'un entrepreneur qui avait réussi, me donnait des conseils à moi, jeune entrepreneur. Et un jour, il m'a dit un truc qui est resté dans ma tête, hyper important et encore aujourd'hui, eh bien, j'y pense régulièrement. Il m'a dit « Manuel, tu as un business qui marche ». Et là, on parle, j'avais 20 ans, j'étais sur un autre marché, je faisais du coaching. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je faisais à l'époque du coaching en séduction, ça ne s'invente pas. J'ai créé ce business quand j'avais 20 ans, une entreprise qui a tourné pendant 3-4 ans et c'était une super expérience. Et il m'a dit « Mais tu essayes de réduire tes coûts alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que tu augmentes tes ventes. » C'est-à-dire que souvent, quand on démarre et quand on réfléchit pas de la bonne façon, quand on ne réfléchit pas comme un riche justement, eh bien, on va essayer de se dire « j'ai des coûts, je vais essayer de faire le maximum d'économies ». Et donc, toute ta puissance mentale est occupée au fait de réduire tes coûts en disant « mais si je délègue ça, ça va me coûter de l'argent. Si je délègue ça, ça va me coûter de l'argent. J'ai un outil qui coûte 100 euros par mois, mais peut-être que je peux trouver un autre outil qui fait à peu près la même chose pour 50 ou 30 euros. » Ça, excuse-moi si ça va être choquant ce que je vais dire, mais c'est la façon de penser de l'entrepreneur pauvre et qui n'aura pas le succès escompté, en tout cas tant qu'il réfléchira comme ça. Pourquoi ? Parce que à l'inverse, l'entrepreneur a succès et quand tu comprends ça, je t'assure que ça change tout dans ton business, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, eh bien, il va réfléchir, l'entrepreneur riche, l'entrepreneur à succès, il va se dire quel est l'outil, quel est le service qui me rapporte le maximum de valeur et qui me libère le maximum de temps. Pourquoi ? Parce que, qu'on l'a dit au tout début de cette vidéo, que ce soit Warren Buffett, toi, moi, nous tous, on a tous 24 heures dans une journée. Donc si
eh bien, tu t'enlèves des coûts et que tu économises 50 euros, mais que ça te prend 3 heures de ta journée. Je prends un extrême, même si ça te prend 30 minutes. Eh bien, finalement, c'est ces 30 minutes-là ou ces 3 heures que tu ne pourras pas réinvestir au développement de ton business, à avoir de nouvelles idées, à les mettre en œuvre, à exécuter, à chercher un nouveau bien, à optimiser ta fiscalité, ton montage, à chercher ton crédit. Donc, à passer ton temps sur des actions à fort retour sur investissement. Les riches, eux, savent déléguer. Quand on prend des gens qui maîtrisent vraiment le business, souvent, eh bien, tu vas le voir, ils ont énormément de gens qui bossent pour eux. Pourquoi ? Pas parce qu'ils se disent « ça m'emmerde de laver chez moi », mais parce qu'ils se disent bah, « si j'ai quelqu'un qui lave chez moi, le temps que je gagne, eh bien, je vais le réinvestir potentiellement sur des choses où j'ai un plus fort ROI, une plus forte valeur ajoutée. Si je travaille sur mes montages fiscaux personnellement, c'est intéressant intellectuellement, c'est passionnant même, moi j'adore ça. Mais le temps que je vais passer dessus, je vais passer peut-être 10 heures à travailler là-dessus. Ces 10 heures-là, arrivées au bout, j'aurais compris beaucoup de choses, mais je n'aurais pas du tout l'expérience, je n'aurais pas fait les mêmes erreurs en amont qu'un expert fiscaliste qui fait 100 montages par an. Donc, je n'ai pas l'effet expérience. Donc, je vais faire des erreurs et en plus, j'y ai passé mon temps. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux payer un expert fiscaliste qui va me faire le montage, exécuter et qui va me libérer du temps ? Bah, ça dépend tout simplement où tu places ta valeur ajoutée. Et c'est hyper important, c'est ce que les riches ont très bien compris. Concrètement, que tu sois entrepreneur, investisseur immobilier, tu dois te dire où est-ce que j'ai ma plus forte valeur ajoutée. Tu dois te dire quels sont les leviers que je peux activer moi avec le temps que j'ai et l'expertise que j'ai aujourd'hui et qui vont avoir le maximum de ROI, donc le maximum de retour sur investissement. Tu dois les identifier, te poser la question et si demain, eh bien, tu les identifies, ça va te permettre toi de passer ton temps là-dessus, de déléguer le reste, même si ça a un coût, mais le coût va être gommé puisque ça va te rapporter de l'argent, ça va te libérer du temps que tu vas pouvoir réinvestir avec un meilleur retour sur investissement. À ce sujet-là, je t'invite à télécharger la petite fiche avec les différents leviers qui, selon moi, sont activables pour un investisseur immobilier. Tu verras donc et tu pourras faire ton plan avec cette petite fiche. Donc, ça se passe juste en dessous de la vidéo dans la description. Il y a un lien fiche levier actionné. Tu la télécharges, tu la remplis et tu vas pouvoir visualiser au maximum eh bien, avec ce petit exercice, quels sont les leviers que toi tu dois activer pour gagner du temps et qu'est-ce que tu dois déléguer. Alors l'autre aspect dans l'optimisation des coûts, j'ai parlé des coûts de prestation, des coûts de logiciel, mais il y a également bien sûr les coûts de fiscalité. Ce qui fait la différence entre des entreprises qui réussissent et des entreprises qui galèrent, et pareil pour les investisseurs, c'est la fiscalité. On le comprend, si tu as 100 euros dans la poche et que vous êtes deux investisseurs à avoir 100 euros dans la poche, s'il y en a un qui paye 50% d'impôts, il lui reste 50 euros. Et s'il y en a un qui paye 0% d'impôts parce qu'il a les bons régimes, il lui reste 100 euros. Lequel, à ton avis, va devenir le riche le plus vite ? Et c'est la même logique avec les entreprises et les entrepreneurs. Pourquoi ? Et je ne dis pas que c'est bien, mais pourquoi, à ton avis, les entrepreneurs les plus riches ont tous des sièges à l'étranger ? Pourquoi les sociétés qui cartonnent comme Amazon eh bien, sont à Dublin, ne payent pas d'impôts ou quasiment pas en France ? Encore une fois, je ne fais pas de jugement de valeur, je constate. Je ne te dis pas que c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, personnellement, je suis fiscalement ici en France, et il y a plein de choses qu'on peut faire depuis le territoire français en toute légalité. Mais pourquoi est-ce que d'un côté, on a les riches, les gens qui réussissent le plus, qui ont su et qui optimisent chaque jour leur fiscalité, et les autres qui se plaignent, les victimes, qui malheureusement, eux, supportent l'impôt ? Parce que malheureusement, c'est la loi de celui qui est le mieux formé, le mieux informé, le mieux accompagné, c'est ce qu'on a vu avant. Et en fait, ces gens-là ont des fiscalistes, ils connaissent les ficelles, ils délèguent et ils préfèrent payer des fiscalistes beaucoup d'argent et des lobbyistes qui vont faire pression, etc., étudier les bons régimes et derrière, demain, eh bien, payer moins d'impôts parce qu'ils ont compris que d'un côté, ils économisent des milliards d'impôts et de l'autre, ils payent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de conseils. Donc, le gain est rapidement amorti. Donc, ce que je te conseille, moi, sans aller t'expatrier fiscalement, ce n'est pas du tout la teneur de mon propos. Hein, parce que moi, encore une fois, je suis bien sûr résident fiscal français, mais c'est te former et comprendre les grands régimes de fiscalité. Et avec ça, eh bien, tu vas pouvoir agir et aller dans la bonne direction, le bon montage dès le départ. Alors, je suis persuadé que ces différents conseils vont t'aider à mieux comprendre comment réfléchissent les riches et quels sont surtout les ingrédients de leur réussite. Sache que je suis parti de zéro, beaucoup sont partis de zéro, ils ont réussi grâce à l'immobilier et grâce à l'effet fabuleux de l'effet de levier, eh bien, à construire un patrimoine juste très important. Donc, tu peux le faire aussi, toi qui me regardes dans cette vidéo. Bien sûr, si tu as accès à la bonne information, que tu sais bien t'entourer, choisir les bons logiciels, choisir les bons prestataires, que tu sais implémenter rapidement et pas réfléchir pendant des années, que tu sais réduire les coûts pour bien utiliser ton argent également, choisir les bons régimes fiscaux. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like, partage cette vidéo à tes amis investisseurs et le lien de la chaîne, je suis persuadé que ça pourra les aider. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active la petite cloche des notifications et bien sûr, si tu as des questions,
je suis disponible en commentaire, j'y répondrai personnellement. Donc mets-moi tes questions, tes commentaires ou tes retours directement dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai. À très bientôt sur la chaîne de l'investissement locatif. Ciao.